Eh bien, salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien. Et bienvenue pour la suite de notre incroyable aventure sur Heavy Rain. Et nous en sommes à l'épisode 3. On découvre un tout nouveau personnage. C'est donc après Scott et Ethan qu'on découvre un nouveau personnage qui est policier, cette fois-ci, et non détective privé. Attention à ne pas confondre avec Scott. Restez pas là, s'il vous plaît. Agent Norman Jadon, du FBI. Ah, FBI, ok. Vous avez une carte ou quelque chose, monsieur Jadon? Oui. Oui, bien sûr. On va lui montrer la carte, évidemment, parce qu'on est les boss. Multipass. Parfait. Vous pouvez passer. Allez, on va pouvoir y aller. Oh, Blake. Je cherche le lieutenant Carter Blake. Est-ce qu'il est là? J'ai vu arriver tout à l'heure. Il doit être dans le coin. Merci. Ok, donc on va chercher le lieutenant Blake. Attendez. Ok, je suppose qu'il est derrière. Donc. On aurait pu penser qu'il était sur la scène du crime. Qu'est-ce qui se passe? Quelle était cette sombrerie? Ok. Non mais il est bien sur la scène de crime en fait, j'avais juste avancé. Quelle est cette fourberie? Bah oui! Je suis con hein, c'est pas vrai! Je fais exprès ou quoi? Ok. Ça c'est beau gosse ça! Bon maintenant ça serait ridicule hein, comme ça, mais avant c'était beau gosse. Enregistrement mémo vidéo. Agent 47023, Norman Jadon, mardi 4 octobre 2011. Il est 8h14. Ok. Ah oui, c'est vrai que lui avait un système bien particulier en tant qu'agent du FBI. Regardez, en faisant ça, on pouvait voir tout un tas de preuves au sol qui nous permettaient de nous-mêmes mener notre enquête. Ok, on ne comprend rien. Sans rapport avec l'enquête. Très bien, ça n'a rien à voir avec l'enquête. On adore. Salut, le lieutenant Blake est dans le coin. Il fait tellement ringard avec ses lunettes, il fait beauf. Ah, lieutenant Merci. Blake. Attendez, on va aller voir là-haut quand même, sait-on jamais. Soit un malentendu, il y aura peut-être de nouvelles preuves. On essaye de faire un maximum de... Ah! Ok, on a quelque chose. On y va de ce pas. Harry commenteur, trace de pas dans les hautes herbes en direction du cadavre. Elle ne ressemble pas aux empreintes des policiers. Pas de corrélation avec le corps pour nous. D'accord. On a encore quelque chose ici. Un bout de tissu. Harry commentaire, détection de traces de sang sur le grillage derrière le refaire. Le bilan sanguin indique un état d'épuisement important sur une longue durée. En fait, quand il dit Harry commentaire, je suppose que ça record ce qu'il dit pour l'enquête. Ok, on peut pas monter. Si, on peut monter. Mais alors, est-ce que c'est pas mieux d'aller voir le corps avant, non? Je sais pas. Vous en pensez quoi, messieurs? Ah ouais, putain, c'est ça qui est hyper compliqué. Tu sais jamais quelle touche lâcher. C'est bon, c'est fait. On y va, on est les boss, hein. Ok. Aucun souci jusqu'ici. Y'a quoi là-haut? Je crois que si on tombe, on redévalise tout en plus. Hein. Non! Oh putain. C'est bon, c'est rien les gars, c'est rien. Ça arrive. J'ai pas tout contrôle. Vous avez vu à quel point c'est terrible ces phases-là? Et c'est que le début du jeu, c'est ça aussi. Ok, on va pouvoir y aller calmement. Allez. Une première preuve. Trace de pas. Il y a des
des chances que ce soit celle du tueur. Très intéressant. Ah, la voiture était garée ici. Arrive commentaire. Trace de pneus derrière la voie ferrée sur le bas-côté de la route. C'est sûrement la voiture du tueur. Très intéressant. Faut aller voir par ici. Hop, on s'est fait totalement éclabousser. Hein. Voilà mon gars, dis-lui putain. Ok, il n'y a plus rien à faire. On sait donc qu'il avait une voiture. Il s'était garé sur le bas-côté. Et puis il a descendu avec le cadavre sur l'épaule, dans les mains. Enfin, on sait pas exactement. On n'a toujours pas été voir le cadavre encore. Hop, on va faire attention. Je me suis assez dégueulassé. Ah. Ok. Enfin, c'est terrible. Faire la différence entre appuyer une seule fois ou appuyer à répétition. Il est temps d'aller voir Blake. Bon, un peu ce qu'il va nous dire. Ah, excusez-moi. Je suis coincé, hein. Oh, cette voie ferrée est terrible. Oh! Incroyable. Harry, commentaire. Trace de sang sur la voie ferrée. Incroyable! On l'avait pas vu tout à l'heure. Ok. Donc, on va refaire tout. Ah, on a quelque chose. Et ça, c'est en l'air. Qu'est-ce que c'est? Du pollen d'orchidée. La concentration de pollen dans l'air diminue rapidement à cause de la pluie, mais elle est plus importante autour du corps. Forcément. Donc c'est le tueur à l'origami. Attends, vous croyez que j'aurais pu mourir sur la voie ferrée? Non. Non, je pense pas, quand même pas. On va voir Blake vite fait, hein, avant d'aller voir le corps. Hop, on va retirer les lunettes parce que ça fait vraiment un peu... Enfin bon, je te décris pas la scène. C'est un peu bobo. Salut, le lieutenant Blake est dans le coin. Oh mais le con. Merci. Lieutenant Blake, je suis l'agent Norman Jaden du FBI. Je suis passé à votre bureau en arrivant ce matin, on m'a dit que vous étiez ici. Fantastique. Si vous aimez la pluie, les cadavres et les autoroutes, vous êtes au bon endroit. Mike, vous pouvez dire à ce connard avec son bulldozer d'arrêter 5 minutes, on s'entend plus ici. J'y vais tout de suite, lieutenant. Ok. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Un type qui emmenait son chien pisser a trouvé le corps vers 6h ce matin. On n'en sait pas beaucoup plus pour le moment. D'après les premiers éléments, ça ressemble au mode opératoire du tueur aux origami. Cause? Vous connaissez la cause de la mort? Le corps ne porte aucune marque. Il y a des chances qu'il ait été noyé, comme les autres. On a des nouvelles du légiste? Il est en route, lieutenant. Putain, mais ça fait une heure qu'on l'attend. Des témoins peut-être? Des témoins? Pas pour le moment. Vu le quartier, ça m'étonnerait que quelqu'un ait vu quelque chose. Ok. On a pu déterminer l'heure de sa mort? D'après la rigidité cadavérique, la mort remonte sûrement à moins de 6 heures. On en saura plus quand le légiste aura vu le corps. Tony! Je veux pas voir un seul de ces fouilles merdes de journalistes à moins d'un kilomètre d'ici, c'est compris? Oui, lieutenant. Vous avez des indices? Les hommes sont en train de passer le coin au peigne fin. Le tueur a laissé quelque chose. On va le trouver. D'accord. Il y a beaucoup de monde sur la scène de crime. Vous n'avez pas peur que vos hommes détruisent des indices? On ne trouve pas des preuves en restant assis derrière un bureau. On n'a pas l'habitude de piétiner des indices, même si on n'est pas du FBI. Non, bien sûr, ce n'est pas ce que je voulais dire. Écoutez, je suis un peu occupé, là. Pourquoi on parlerait pas de tout ça un peu plus tard au bureau? Pas de problème, je comprends. Ça vous embête si je jette un œil? Faites comme chez vous! Hé, hey, Jaden, venez me voir si vous trouvez quelque chose, ok? Avec vos équipiers, maintenant. Ouais, très bien.
bien. Allez, on va remettre les lunettes. Il est temps d'examiner encore un petit peu la scène. Allez, bah voilà, on trouve quelque chose d'intéressant. Peut-être de l'ADN. Après, je pense pas qu'il soit passé par ici. Commentaire, relevé sans intérêt. Voilà, c'est évident. Un policier présent sur le terrain. Forcément. Faut faire trace de pas partout là, ceux-là. Ah, sur le coup, il y a vraiment des traces partout. Il va falloir fouiller à côté du cadavre, je pense. C'est là où ça va être le plus intéressant. Ou sur le chemin qui a été employé. Bon, il est temps d'aller voir le cadavre. Est-ce que c'est un... Allez, régale-moi. Harry, commentaire. La victime est couchée sur le dos. Aucune trace de violence apparente. Ah, c'était un petit peu le détroit quand même, hein, si tu vois ce que je veux dire. Dans... Au lieu d'examiner les indices, ils viennent avec, avec les lunettes et le gant du mec. Ça fait bizarre d'y jouer après, après Détroit. On y ressent quand même des similitudes dans les gameplays. Le sang est identique à celui retrouvé sur le grillage. Ok. Donc c'était bien la reste de la victime. Ah. La victime a dans la main droite un petit origami. Le poing est serré. Les doigts ont probablement été fermés post-mortem. Ouais. La victime est bien Jeremy Bowles, déclaré disparu il y a 5 jours. Voir dossier en référence. Son visage est couvert de boue, comme celui des autres victimes. Ok. Bon, assez triste de ce qui lui est arrivé. Je crois que j'ai fait le tour de ce qu'il y avait à voir. Allez, on va pouvoir rentrer à la casa. On a fait le boulot qu'on avait à faire. Je vais y aller. On se retrouve au bureau. Ok. Plus tard. À plus tard. Je peux partir à mes lunettes. Je vais mourir avec. Ça va être terrible. Ah, mais je peux... Ah, si, c'est bon. Ah, c'est mieux sans les lunettes. Quand même. Allez, direction le bureau, donc. On va pouvoir y aller tranquillement. Donc, chaque personnage aura son gameplay un petit peu à part, si je puis me permettre. Et là, nous en sommes au troisième personnage. Et souvenez-vous, je vous ai dit dans l'épisode 2 qu'il y en avait 4 protagonistes. Et chacun peut mourir. Ce qui change, bien évidemment, la fin du jeu et tout le déroulement de l'histoire aussi. Ok. On y va. On se casse au calme. Direction le bureau. On va étudier un petit peu tout ça. Ok, chauve-souris ou insecte. Donc qu'est-ce qu'on y voit? Chauve-souris, insecte ou papillon? Je dirais à première vue un papillon. Un papillon. De face, c'est vrai que ça fait un loup. Sinon, ça peut faire deux rats. Ou un renard. Un renard. Ok. Allez, on va vraiment dire ce que je vois dès le début. On dirait la mort. La mort. Ouais, j'ai vu la mort avec sa faux. La mort. Je suis foutu. Ok, je suis anxieux. J'ai reçu vos résultats d'IRM. Tout me semble normal. Vous n'avez aucune séquelle physique de votre accident. Par contre, c'est votre évolution psychologique qui m'inquiète. Je sais que ce n'est pas facile, mais il faut que vous arriviez à tourner la page, Ethan. Vous n'êtes pas responsable de ce qui s'est passé. Je suis triste. Jason est mort par ma faute. Si j'avais fait plus attention à lui, il serait toujours là. C'était un accident.
Un accident comme il en arrive tous les jours, Ethan. Vous ne pouvez pas vous accuser éternellement de la mort de votre fils. Comment va Sean ? Ah, j'ai de l'affection. Il est malheureux. Je sais qu'il est vraiment malheureux. En fait, il ne comprend pas pourquoi je semble incapable de l'aimer. Et vous, Ethan ? Que ressentez-vous ? Déprime. Déprime. Je n'ai plus envie de vivre. Je n'ai plus aucune raison de continuer. Même pas pour votre fils, Sean ? Je n'ai pas pu sauver Jason. Sean n'a pas besoin d'un père comme moi. Est-ce qu'il y a autre chose que vous vouliez me dire, Ethan ? J'ai des absences. Je lui dis. Il m'arrive d'avoir des absences. Des moments où j'ignore ce que je fais. Je reprends conscience, plusieurs heures plus tard, dans un autre endroit. Et j'ignore comment j'ai pu arriver là. Est-ce que vous pensez que ça peut avoir un lien avec mon accident ? Vous avez subi une commotion cérébrale et passé 6 mois dans le coma. On connaît mal les conséquences d'un choc aussi violent sur le cerveau. C'est la fin de la séance. Nous continuerons cette conversation la semaine prochaine. Ah, 6 mois dans le coma quand même, hein ? D'accord. Vous avez eu beaucoup de chance, Ethan. Il est très rare de sortir entier d'un tel accident. Je n'ai pas l'impression d'avoir eu de la chance, docteur. h 10, 25,04 mm. Tu vas pas jouer avec les autres enfants ? J'ai pas très envie. Ok. Va falloir que tu fasses un petit effort, hein. Tu veux manger quelque chose ? Quelque chose ne va pas, Sean ? Non, ça va. Oula, 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 qu'est-ce que tu caches, petit ? Ça s'est bien passé à l'école aujourd'hui ? Maîtresse m'a grondé parce que j'étais encore en retard. Elle a dit que la prochaine fois, elle me renverrait chez moi. Désolé que tu aies eu des problèmes, Sean. On va essayer de mieux s'organiser, tu veux bien ? Ok. Bon, il veut pas parler, hein. C'est décidé. Viens, fils. On va faire de la bascule. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de bascule. On essaie ? Ah, là t'es enjaillé, hein. Ok, il y a son sac ici, attention, hein, que personne ne vole, hein. Sinon je vais m'énerver très rapidement. Allez, on est parti. Allez, papa, je vais l'envoyer sur la lune, moi, ce gamin, tu vas voir. Tu kiffes? Du plaisir. Je le monte en l'air. Plus ça va, plus je suis vénère. Oh, il est content, ça me fait plaisir. Viens, fils. Peut-être veux-tu vomir. Ça te plairait à tour de tourniquet ? Je parie que je vais te faire tourner si vite que tu tiendras pas dessus. Chiche. Allez, dépêche-toi. Je vais m'énerver. Ah,
Allez, on y va. Vas-y, papa. Le décollage immédiat. Vas-y, mon pote, hein. Je vais te faire rêver, moi, ma gueule. Encore plus vite. Allez. Ça va aussi. Encore plus vite. Oh, il est content. Oh, ça me fait plaisir. Un enfant content, c'est un père heureux. Oh, je crois que j'ai la tête qui tourne. Après ça, tu es prêt pour être astronaute. Ok. Peut-être un petit peu de balançoire. Non. Ouais, vas-y, allez, de la balançoire. Je voulais le nourrir, mais ça va me coûter une blinde. Ça te dirait de faire un peu de balançoire ? Pour être poussé ? D'accord. Putain, je le régale, là, le gamin. Hein. On fait tous les jeux possibles. Allez. C'est parti, fils. Décollage immédiat. Ça va être rapide. Hop, on lâche. Papa, oh, je suis boss. Plus fort. Là, c'est des mouvements de manette, par exemple. Je vous le dis, hein, les fights, ça va être très très chaud. Hein. Bon, il est vrai que j'ai fait un sans faute épisode 2, mais enfin, les gars, arrêtez de m'en parler, je vais rougir. Oh, ça, c'est la beauté du sport. Putain, gamin, j'ai l'impression de te pousser en vrai. Fais un effort. Voilà, arrête-toi. C'était cool. On dirait qu'il va pleuvoir. On ferait mieux de rentrer. Ah, cette voix okay. Me dit quelque chose. Cette voix me dit quelque chose. Je l'ai entendu il y a pas longtemps. Aïe aïe aïe, faudrait que je retrouve le doubleur. Quand Jason était encore là, des fois je me dis que ce serait bien que tout redevienne comme avant. Moi aussi, Sean. Moi aussi. Sean, va dire un moment que je l'aime encore. Peut-être veux-tu manger un petit truc, Sean ? Hop, trop tard, ça coûte une blinde. Attends, où tu vas, là? Ah! Mais, Sean! Dis, papa, je peux faire un tour de manège? T'es d'accord? Ai-je vraiment le choix, Sean? Va choisir ton cheval. Pour la continuité de l'histoire. Ai-je vraiment le choix? Ok. Eh, bonjour! Un ticket. $1. Ça va, c'est raisonnable. $1 pour un tour de manège. C'est pas... On a vu pire. C'est pas le moment. C'est pas le moment. Wouh! J'étais point prêt. Oh putain! Ce réflexe!